Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idéaliser soi-même. Et ici, j'ai retrouvé donc la balle anti-stress, donc avec, on avait fait avec du Sun Poly Alliance. Et donc, on va aller découper, puis on va revoir, re-regarder donc ce qu'il y a, enfin, voir ce qu'il y a à nouveau là-dedans, et re-libérer notre Sun Poly Alliance. Alors j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Et à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et donc on a juste à découper ce qu'il y a là. Et pouf! Donc c'est ouvert. Ça ne veut pas sortir. Donc on va essayer d'ouvrir à ce niveau-là. Et voilà, donc maintenant, bon, bah, ça c'est en train de s'écrouler. Bon. Donc bon, on a notre sable plutôt cool. Voilà, donc là après on peut remettre tout le sable à l'intérieur de notre emballage. Voilà. Donc je me suis dit peut-être que pour faire une autre expérience, on peut mettre un peu d'eau là-dessus et on va voir ce que ça donne. Et puis là, je trouve que ça, ouais, ça tient mieux. Ils sont plus, enfin, c'est plus facile à modeler. Donc j'essaie de faire filtre avec ma main pour sortir l'eau. Ok, oh, super cool. Donc on va essayer de récupérer, hop, notre sable humide. Donc voilà. Et ça tient beaucoup. Enfin, c'est beaucoup plus compact qu'avant, ça tient bien. Alors qu'avant, bon, bah, ça n'y avait pas de tenue. Vraiment un résultat intéressant, ça c'est certain. Ah, donc c'est bien solide, ça fait tant que c'est humide.
Puis on va voir ce que ça donne quand ça va sécher un petit peu. Et puis après, pourquoi pas, on pourra toujours faire encore une petite mise à jour. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Mais la vidéo, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas. Et puis, on se dit à très vite. Salut !